Déjà, savoir, pareil, de nouveau vous présenter. Et de, voilà, c'est déjà oui. Ça. Donc je suis Anne-Sophie Lajus, je suis professeure de physique-chimie et donc professeure principale de la classe de terminale qui a participé à l'atelier. Alors, est-ce que vous avez déjà préparé cet atelier avec les élèves avant de faire cette journée? Alors, on a fait un travail préparatoire sur l'orientation, pas spécialement sur cet atelier, avec l'ensemble de la classe. On a déjà parlé d'orientation à plusieurs occasions. Et on va dire, quand on a eu la présentation des MOOC, on a vu un petit peu les domaines qui pouvaient les intéresser. Et après, de manière un petit peu plus ciblée, j'ai proposé l'atelier autour du droit, le MOOC pour le droit, parce que j'avais quelques élèves qui étaient justement intéressés dans cette classe. Et c'est vrai que le droit, c'est une matière sur laquelle on peut difficilement les renseigner quand on est au lycée comme ça, professeur de sciences en plus. Donc je trouvais que l'occasion était idéale justement pour leur apporter ces informations. Et maintenant de savoir cet après-midi, l'atelier, comment s'organisait cet après-midi, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, je trouve que les élèves ont bien joué le jeu, je trouve qu'ils se sont bien mis dans l'esprit de cet atelier, de ce travail, et j'ai l'impression qu'ils ont eu des réponses, ont beaucoup de réponses à leurs questions, en tout cas ils en sont sortis avec plus d'informations que quand ils sont arrivés, c'est l'objectif. Et ils ont aussi découvert le principe de la plateforme FUN avec d'autres cours. Ils étaient impressionnés justement de la diversité des cours qui étaient proposés. Donc pour la plupart, ils ont dit qu'ils souhaitaient y retourner. Donc je pense qu'on a gagné notre objectif. Voilà. Très bien. Du coup, vous pensez peut-être reproduire ce type d'atelier ou pas? Comment vous allez... Alors, la suite peut-être à donner. Ça sera pas forcément plus cette année parce que là les délais sont un petit peu courts. On va être en vacances bientôt et puis la plateforme Parcoursup au niveau des vœux ça va se terminer le 13 mars. Par contre pour l'an prochain c'est vrai qu'avec une offre aussi de MOOC qui sera peut-être élargie, je trouve que c'est quelque chose à reconduire effectivement et je pense que je le ferai à nouveau. Donc. Très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter qui pourrait être intéressant pour c'est aussi pour donner aussi envie aux prochains enseignants, etc., qui vont organiser. Enfin, voilà, de... Oui, donc le point principal que je vois, c'est vraiment la possibilité d'apporter des informations d'une manière différente et puis sur des sujets sur lesquels on n'a pas forcément toute la maîtrise, nous, en tant que professeurs de lycée. C'est vraiment les deux points essentiels. Et puis le fait de visualiser des vidéos, d'avoir des exemples concrets, les élèves, ça leur parle quand même tout de suite beaucoup plus que des longs discours ou des pages internet à lire. Parfait. Ouais. Super.